anywhere between 12 to 15 hours a day on set, plus makeup and then driving and everything. I'm not complaining. Nina works more than all of us because she's in every scene, and Stefan and I, we get a couple of scenes off every now and then. But literally, she might work 16 hours, 17 hours a day, and might not stop working like that for 6 months at a time. So it's a lot. And so you do this. We have 6 years on this, our contract. So I'll work 12 to 15 hours a day, 9 to 10 months a year, straight, on top of doing movies and doing publicity, and being, you know, having family obligations. So you're looking at when you're working, you're working. When you're not, you're not. And so I might work like this for the next 10 years of my life and never be able to stop. Because you're so afraid that if you do stop, you're just going to fall over and die. And it's a phenomenal business. But it's, there are, without doubt, like anything, there are amazing pros and then there are amazing cons. It's not a healthy business to be in. If you want a family, if you want, you know, to raise children or even cats, it's really hard. It is a tough business. And I only know two of my closest friends who have been in a relationship and have stuck. One of them is Matthew and Margarita Fox from Lost. He's like my big brother, and she like my big sister. They're amazing people. They've been together 20-something years, and that is just doesn't exist anymore in this business. So, it is an amazing, amazing business. But I'm thinking at some point, way down the road, when I have a family, then I'll probably have to stop for a long time. Because you just can't sustain it, and anyone who tells you that they can, they're lying. Okay. Vous avez des acteurs qui se plaignent. Ouais, les fans et tout, ils me suivent partout, c'est impossible, je peux pas vivre, c'est impossible. Et en fait, c'est pas ça le métier d'acteur. Le métier d'acteur, c'est de la préparation. Ça tombe pas dessus comme ça, c'est pas maintenant on se lève, on devient acteur. C'est du travail, beaucoup de travail. Et cette préparation, tout ce travail, fait qu'un jour, on est capable de choper l'opportunité et de devenir, et de faire un métier fabuleux, mais pour lequel il faut toujours travailler beaucoup. Un jour, on a l'opportunité, il faut savoir la saisir. Et c'est pour travailler, par exemple, sur la série, 12-15 heures par jour, en ce qui concerne Dame Lian. Et 12-15 heures par jour, tous les jours. En 10 mois. Pour Nina, c'est beaucoup plus, parce qu'elle joue deux personnages, parce qu'elle est dans toutes les scènes. C'est entre 16 et 17 heures par jour. Donc c'est beaucoup plus de travail encore. C'est beaucoup de préparation. Quelquefois le matin, quand il lit le script, il se dit waouh, comment est-ce que je vais y arriver? Quel chemin je vais prendre pour réussir à tourner cette scène, pour réussir à tourner cet épisode? Mais il faut y aller, il faut travailler. C'est comme ça qu'il y arrive, c'est comme ça que les acteurs qui tiennent y arrivent. Tous ceux qui disent qu'ils veulent avoir une famille, qu'ils arrivent à avoir une famille, ils n'y arrivent pas en fait, ils mentent. Parce que ce travail est hyper prenant. On ne peut pas avoir cette vie professionnelle et en même temps avoir une vie de famille comblée. Malgré ses 12-15 heures par jour, il doit aussi avoir une vie de famille, il a ses obligations, il tourne d'autres films, il tourne dans des publicités, il a ses propres activités avec la fondation. Donc vous voyez, c'est un programme hyper, hyper chargé. Donc la vie de famille, en dehors de ça, c'est très, très compliqué. Se marier, avoir des enfants, c'est pas pour tout de suite. Il a peur aussi de s'arrêter maintenant, parce que s'il s'arrête maintenant pour justement avoir ce moment en famille, il a peur de louper le coche et de juste être oublié. C'est pour rien. Donc voilà, il va travailler, il pense qu'il va travailler encore pendant une dizaine d'années, comme ça, à ce rythme. Et ensuite, il s'arrêtera, très probablement. Il s'arrêtera très probablement parce qu'il voudra avoir une vie de famille.
Voilà, pour des bonnes raisons aussi. Et pour s'impliquer, je pense, dans d'autres projets également. Voilà. Prochaine question est la question de Laure d'Orléans. Ta question, Laure, tu voulais savoir quel était le goût du faux sang dans la bouche. Well, Nina and Candace and Kat Graham, all the girls, every week have to donate a little bit of blood. Because I'm a pretty method actor, you know? So we just tap a vein and then we blend it sometimes with vodka or something. I can't stand that blood. I hate it. Because it's red 40. The color red 40 is probably the most toxic food color you can put in your body. I don't know if you guys have noticed, but I try to be as natural and healthy as possible. And I consume more fake blood for 9 months of my life than you could possibly imagine. And it's this, there's like five different kinds. For close-ups, there's this stuff that's pure organic, this cherry extract juice. That, it works, because in the scene, you take a sip and you go. So it makes it, you look like you actually like it, because you look so excited to be drinking. But in all actuality, every cell in your body thrums in protest. And then there's other ones for dripping, which is the corn syrup and dye. There's other ones for drinking that are smoothies, but after take five, you're like. And there will literally be, when hair and makeup will kill me in the summertime, we have to drink a bunch of this stuff. I'll leave set after, for lunchtime, and I'll go running in Atlanta, in the Georgia heat, just because there's so much sugar in my body, I feel like I'm gonna like pass out. And so the blood thing is, it's intense, and it's something we have to deal with every day almost. Oh, there's Damon having a drink. Oh, there's Damon sucking on someone. There's a lot of blood in our lives, and we haven't really figured out for some reason whether it's Europe, the United States, Africa, anywhere I've been in my life to work as an actor. We still have not figured out a really natural way to go about this. Alors, en tout cas, ça n'a pas l'air de lui plaire. Ça, c'est sûr. En fait, il explique que c'était très sucré, que c'était pas très bon, qu'il y avait 5 types en fait, de sang selon les thèmes, selon s'il y avait des gros plans, s'il y avait des sang qui coulissent, etc. Et c'est vraiment dégueu. En plus, lui, on le sait tous, il est quand même plutôt quelqu'un qui est très. Qui fait très attention à la santé, au bien-être, etc. Donc, avoir ce faux sang plutôt sucré, plutôt pas bon, notre mois de l'année, c'est pas top pour lui. Quand même, qu'il a raconté que l'été, donc, vous savez tous, la série tournée à Atlanta, et l'été, il fait très très chaud à Atlanta. Et lui, pour un peu, je vais pas garder la ligne, mais pour un peu ça, sortir tout ce sucre qu'il prend, il court. Il court des heures pendant sa pause déjeuner, c'est ça. Il court pour un peu évacuer tout ce sucre, ce goût, prendre l'air, etc. Et il se dit, c'est vrai que c'est un truc de malade. C'est que personne encore a trouvé, que ce soit aux États-Unis, en Europe, pas partout dans le monde, personne n'a encore trouvé le produit miracle qui fasse, entre guillemets, illusion à l'écran et qui, en plus, ait un goût super sympa et aussi qui soit un peu plus naturel. Mais apparemment, il n'est pas le cas. Question de
Valetia de Nancy. So sweet. This better be a good question. Étant donné que nous n'avons pas